Méditation du 18 octobre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Il y a quelques années, j'ai failli perdre mon père. Je me souviens que quand j'étais jeune, il était fort comme un chêne. Tous ses projets semblaient se réaliser selon ses plans. Je l'admirais et j'espérais devenir comme lui un jour. Mais l'Évangile est entré dans ma vie et cela a créé un grand conflit entre nous. Il avait du mal à comprendre que son rejeton ait décidé de devenir ministre de Dieu, juste au moment où tout allait parfaitement dans sa vie. Plusieurs fois, il m'a mis en garde contre les inconvénients de ma décision et m'a prédit un échec retentissant. Un jour, j'ai fini par quitter la maison sans son accord. Je n'avais pas l'intention de le blesser, mais mon désir de servir Dieu était plus fort que mon attachement filial. Quelques semaines plus tard, il est venu me retrouver dans la ville où je faisais du colportage pour m'accompagner au séminaire adventiste de Monte Morelos, au Mexique. Le temps a peu à peu transformé son cœur. Un jour, il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait accepté Jésus comme son sauveur personnel et qu'il désirait être baptisé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis donc allé jusqu'en Basse-Californie du Sud au Mexique pour le baptiser. Cela a été l'un des moments les plus mémorables de ma vie. Nous avons tous les deux pleuré comme des enfants pendant la cérémonie. Dès lors, il s'est consacré au service du Seigneur. Quelque temps après, il est tombé gravement malade et je suis allé le voir. Il m'attendait à l'aéroport, appuyé sur une canne. Il portait la marque de la maladie sur son visage. Nous nous sommes embrassés et nous avons encore pleuré comme des enfants. Il a ensuite subi une intervention chirurgicale qui a réussi. Dieu avait décidé de le laisser parmi nous afin qu'il poursuive sa mission. Une personne ne reste jamais la même tout au long de sa vie. Les années transforment son schéma mental. Tout change, sa force, sa vigueur, ses idées. C'est pourquoi chaque être humain est imprévisible. Cela signifie que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut devenir meilleur. C'est particulièrement vrai pour nos êtres chers qui n'ont pas encore décidé de suivre le Seigneur. L'histoire n'est pas terminée. Elle s'écrit tout au long de la vie et nous apporte parfois les plus beaux moments pendant la dernière étape. Aujourd'hui, prie le Seigneur pour les membres de ta famille qui n'ont pas encore accepté le salut. Bonne journée et que le Seigneur te bénisse.